Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le unboxing slash crash test du calendrier de l'Avent 12 jours de chez Focalure. Donc, je remercie la marque de me l'avoir envoyé. Voilà. Et je remercie Amy d'avoir donné mon adresse mail, enfin le lien de ma chaîne, pour parler de moi à Focalure. Donc voilà, j'ai reçu le calendrier 12 jours en collab. Alors, vu que j'ai que 7 jours, je ne peux pas l'ouvrir en même temps dans les vlogs que les autres. J'ai que 7 jours pour poster la vidéo. Donc je vous ai filmé un pseudo unboxing que je vais vous mettre en musique ben, tout de suite. Donc vous avez vu, le calendrier, c'est un 12 jours. Et franchement, je trouve pas mal... il est super beau, déjà. Le packaging est canon. L'intérieur se présente comme ça. Donc, c'est juste un couvercle que vous enlevez. Et vous avez les 12 cases à l'intérieur. Maintenant, je trouve que pour du Focalure, il est quand même à une centaine de dollars, il me semble, sur le site officiel. J'ai oublié d'aller voir s'il y avait des risques de frais de douane. Je suis désolée. Je vous mets le lien... du calendrier en barre d'infos s'il est encore dispo, sinon je vous mets le site, en sachant que vous pouvez également les retrouver sur, enfin retrouver la marque sur la boutique officielle d'AliExpress. Moi c'est là que j'ai toujours commandé mes produits de chez eux. J'ai même jamais pensé à aller voir sur le site officiel pour voir s'il y avait une différence. Après c'est trop perturbant si on voit qu'il y a des trucs intéressants dans la boutique officielle et qu'on ne trouve pas sur la boutique AliExpress. Donc je vous mets le lien de la boutique AliExpress également en barre d'infos. Et voilà, donc on a eu pas mal de petites choses. Franchement, il est très sympa. Il n'y a que deux goodies. Sinon, le reste, c'est que des full size. Ça, c'est génial. Bien sûr, moi, je ne vais pas tout utiliser. Donc, je vous ai gardé 4 produits de côté. Dont l'highlighter crème, puisque... Enfin, c'est en stick.
vu qu'il y a un highlighter pour que je voulais en plus et que je suis trop contente d'avoir eu la bonne teinte dans le calendrier. Je vous ai mis le crayon pour les paupières, hein, le fard gras en crayon. Le rouge à lèvres, qui est un rouge à lèvres métallique, parce que moi j'ai des mattes et je préfère largement. D'ailleurs, on va en utiliser un aujourd'hui. Ou alors les jumbo, là, vous savez que je les adore. Pareil pour les petits liners pailletés bim. Et en dernier lieu, je vous ai mis, c'est un fard liquide pailleté. Voilà, c'est les quatre produits qui ne m'intéressent pas plus que ça dans ce calendrier. Après, il est hyper complet. Hop, hop, hop. On a eu deux petits goodies, dont la petite bague Bambi. Voilà, alors elle est dorée, c'est un peu chiant. Enfin, c'est un peu dommage pour moi, quoi, mais c'est totalement dans le thème. Bon, après, c'est une en relief comme ça, donc clairement, moi, je ne vais pas la mettre parce que je vais me crever un œil. Mais comme je suis en train de me faire des petites poupées déco pour mon fond de d'hiver, je pense que je vais mettre les petites cantes sur une poupée. Ça sera trop mignon. Donc et voilà pour ça. Et on a eu alors la pince pour les cheveux slash brosse en forme de flocon. Et oh my god, c'est canon. Elle est magnifique. Donc vous pouvez très bien la mettre dans vos cheveux. Là j'aurais pu la mettre sur mon bandeau d'ailleurs. Comment je pourrais l'accrocher sur mon bandeau pour pas qu'elle soit comme ça? Vous pouvez également vous en servir en tant que broche. Par exemple ici je peux glisser... sur le dégoté de mon pull, si vous avez un foulard, voilà, vous pouvez vraiment, c'est assez, c'est une fermeture comme ça, donc c'est assez versatile à utiliser. Là, je l'aurais bien mis sur ma... Il faut juste réussir à coincer le tissu. Oui, parce que j'ai dû mettre un bandeau suite à mon carnage capillaire. Je vous remets en barre d'infos. Il faut que je fasse ma colo. Ben voilà. J'adore. Ça, je vais le mettre beaucoup cet hiver. Plutôt, voilà. Alors, j'ai fait mon teint fond de teint poudre bronzer et sourcils. Voilà. Puisque on a un blush crème à tester. Donc, je vais le tester par-dessus une poudre. Comme ça, on sera fixé tout de suite. On a également la base à paupières. Donc, j'en ai pas mis. On a ce magnifique highlighter. Mais, oh, j'ai trop envie de l'utiliser. Il est trop beau. On a les fossiles, le crayon pour les lèvres et la palette Disco Dance Baby. Elle me fait triper. Elle tourne. Alors, elle tourne quand elle est fermée. Hein. Quand elle est ouverte, elle se bloque. Parce que je trouvais un peu le principe bizarre, justement, que ça tourne. Mais voyez, une fois que vous l'ouvrez, c'est bloqué. Et comme vous la refermez, ça tourne. Et au milieu, il y a un highlighter aussi, mais vous pouvez très bien vous en servir comme topper sur les yeux. Vous avez quatre fards mat, dont un rosé, sinon c'est du... Il y a un taupe, un noir et un marron. Vous avez les quatre irisés, un espèce de mort doré, un champagne doré, un rose et un argenté. Donc vous avez vraiment de quoi faire un make-up de fête. Voilà, soit dans les teintes dorées, soit dans les teintes argentées. Et ça, je trouve ça génial. Donc, on va commencer par l'highlighter. Parce que... Ah non, d'abord le blush. Donc, on va tester le blush crème. Je vais peut-être me rapprocher un tout petit peu quand même. Hein. Oui. Voilà, là, on est bien pour le teint. Donc, la couleur, j'aime beaucoup. On va voir ce que ça donne. Il est très, très, très crémeux. Donc j'espère juste qu'il ne va pas faire de tâches. Hein. Donc, je l'applique d'abord avec mon doigt où je l'ai mis, enfin où je l'ai prélevé, et avec un doigt propre, je tapote pour le blender, éviter les tâches. Je fais trembler mon miroir. Il est bien pigmenté. Il s'applique bien, il s'estompe bien. Et même par-dessus la poudre, vous voyez que... Il finit un peu avec un petit effet poudreux, j'ai l'impression. J'adore la teinte. Là, ça va faire une petite babarde, mais avec l'highlighter, ça se verra plus trop. Donc, vous voyez, je rajoute au fur et à mesure avec mon doigt où j'ai le produit. Et je blende avec un doigt propre. Ben, j'aime beaucoup. Alors, on fait pareil de l'autre côté.
il fait pas de tâches, même sur la poudre. J'aime pas trop utiliser les produits crémeux sur une poudre, mais là, franchement, ça va. Il en faut très peu hein, par-dessus la poudre, ça, puisque ça l'atténue pas. Oui, j'aime bien. Je vais essuyer mon doigt avant de m'en foutre partout. J'aime bien. Alors, je vais prendre mon pinceau poudre quand même pour repoudrer par-dessus pour pas que ça bouge. Hein. Je ne remets pas de matière. Hein. Et comme ça, je blende encore un peu. Bah écoutez, ce petit blush, j'aime bien. C'est fort sympa. Oui, j'aime bien. Après, je suis pas une grande fan de produits crémeux, hein, mais en ce moment, j'arrête pas. Et l'highlighter, donc c'est le Ego. Oh, mon Dieu. Quand je l'ai vu sur le site officiel... Donc, au milieu, c'est les deux teintes mélangées. Ici, on a juste le vert et là, juste l'argenté. Et oh my god, c'est magnifiquement magnifique. Ça a l'air supra lumineux. Alors, je vais déjà essayer au pinceau. Donc, je mélange les deux teintes. Oh, ben ça fonctionne très bien, le pinceau. Ça fait un effet glass skin. Alors, je pensais que ça serait plus pailleté. Mais ça donne vraiment un effet glass skin. Oh, il est lumineux. Hein. Oh, c'est beau. J'aime bien. Alors, ce que je vais faire, je vais appliquer d'abord le côté vert au doigt pour bien faire ressortir le vert. Oh, j'adore. Oh, c'est beau. Oh là là, que c'est beau. Et je prends donc l'argenté tout seul que je remets par-dessus. Oh oui, oh oui. Là, je fais des pétouilles jusque chez Buzz l'éclair. Oh, magnifique. Chaud blinde. Oh, j'aime beaucoup mon teint. Oh, j'aime bien cet highlighter. Alors, je vais me rapprocher un peu plus et on va donc tester la base et la palette. Alors, je vais prendre un pinceau pour appliquer ma base et je la blenderai à l'éponge comme je fais avec la Révolution. Alors, est-ce qu'elle est teintée? Oui, un peu. Elle m'a craché dessus. Alors, elle est teintée, elle unifie juste un peu la paupière, elle n'est pas hyper colorée comme la Révolution, mais ça camoufle bien la couleur des paupières quand même. S'applique bien, elle est uniforme, elle n'est pas trop collante. Ben écoutez, c'est prometteur.
Donc je vais juste blender un peu avec mon éponge pour être sûr que ça ne fasse pas des paquets à droite à gauche. Ouais, c'est plutôt bien. Ça a l'air prometteur. Je vous avais déjà fait un crash test complet de la marque. Je vous remets en barre d'infos. Alors, je prends donc la palette. On va essayer qu'elle arrête de tournicoter. Et avec un pinceau peintre, je vais partir. Je vais prendre le marron plus clair là. J'avais envie de mettre le rose, mais je ne sais pas trop. Ouh, le pigment du lion. Ah oui, c'est un bout de t-shirt blanc. Il pique les t-shirts blancs. Je ne sais pas pourquoi. Les noirs ne font pas ça, mais les blancs, ils piquent. Ben, je vais faire mon ras de cils en rose, tiens. Ben, écoutez, la base, elle accroche bien les fards. Elle est un peu collante, un peu plus que la Révolution, mais moins que la Pélouis. Donc je reprends tout de suite mon pinceau où j'ai mis le fard beige pour estomper. Puisqu'après on va revenir avec le marron pour refaire la transition correctement. Donc là je repasse par-dessus. Alors ils ne s'estompent pas hyper bien. Ça fait encore une barre. Mais c'est peut-être à cause de la base. La base accroche vraiment beaucoup. Donc voilà, on viendra peaufiner le dégradé après. Alors, je vais prendre un pinceau pour le ras de cils et je vais prendre le rose du coup. Le mat. C'est bien pigmenté, et là j'ai pas de base. J'en prends un peu et je fais un peu mon coin interne comme ça. J'ai juste un trait en fait. Je vais pas l'estomper. Et je vais faire une petite bascule externe. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Enfin longtemps. Je reprends mon premier pinceau pour blender un petit peu. Voilà, pareil, on viendra peaufiner ça après. Alors, je vais prendre un pinceau. Je vais prendre un pinceau plat tout simple, je pense. Je reblende un petit coup ma base, bien qu'elle n'ait pas trop creusé, hein. Voire même pas du tout en fait. Et je vais prendre le marron le plus foncé. L'autre, je suis pas sûre que c'est un noir. Je pense plutôt que c'est un marron très très foncé. Je vais mettre ça dans mon coin externe. Avec un léger raccord en ras de cils. Avec mon premier pinceau, je blinde. En tout, il se dégrade bien quand même. Ok, alors j'essuie mon pinceau et je reprends mon premier marron pour peaufiner le dégradé ici, juste en externe, puisque là je ne veux pas toucher à ma barre. Ouais, en tout, il se dégrade bien en tout cas. Ça, il n'y a pas de souci, il superpose bien. Bon, après, c'est du marron donc logique. Alors, j'ai envie d'utiliser l'argenté, là, mais il faut que je vois si c'est juste un topper ou pas. Non. Bon, bah écoutez, comme j'en ai sur mon doigt, j'ai le doigt. Bon, ça fait quand même un peu effet de topper. On va y aller après avec un pinceau pour faire plus précis. Donc, je prends un petit pinceau plat, je garde ma teinte argentée. Je suis ma forme rose ici et je le dégrade jusque sur le marron. Il est beau, les paillettes sont magnifiques. Dites-moi un peu si vous êtes plus argenté ou plus doré. Vous. Donc là, je redégrade un peu et je me suis foutu une paillette dans l'œil. C'est magnifique.
Alors, je reprends mon pinceau et je vais réintensifier mon rose. On voit bien la forme. Alors, avec le même pinceau, je vais prendre le ici pour mettre en racine. Donc, je le rajoute par-dessus mon rose et par-dessus ma bascule, je les tire vers le bas. Il a l'air d'avoir des jolis reflets aussi. Je réessuie mon pinceau, je reprends mon rose mat pour remarquer un peu ma bascule. Et je vais y aller au pinceau biseauté pour bien la marquer. Alors, je vais prendre un pinceau pour le coin interne et je vais prendre du coup l'highlighter qui est au centre pour mon coin interne, tout simplement. Je le mets sous mes chenilles. Donc là, je fais jusqu'à la tête. Hein. Après tout, c'est un make-up fait. J'en mets également ici. Et un petit peu au centre de ma paupière. Et ben j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà pour la palette. Je vais dégrader. Voilà pour les fards. Donc on n'a plus que les fossiles à tester pour les yeux. Je vais passer à la bouche. Donc je vais tester le crayon parce qu'il a une forme un peu chelou. Et je vais mettre le 06 des Matte Focalure comme ça que j'adore. Et alors sur les yeux, bah, je vous dirai après. On va d'abord tester les produits lèvres. Donc c'est un crayon rétractable mais en forme de cœur. Je ne sais pas si vous allez voir la forme du truc. Voilà. C'est gadget à souhait, mais c'est marrant. On fait peu. Hein. Alors, j'avais un cil. Alors, il glisse bien. La couleur a l'air assez nude. Maintenant, la forme, je vous mesure que c'est un grand avantage, quoi. Je vais quand même remplir un peu. Oh, la couleur est très nude, très parfaite, très bien, parfaite. Et de l'autre côté, vous avez le pinceau pour estomper. C'est très gadget aussi. Et du coup, je vais mettre mon rouge à lèvres. Je les aime beaucoup. Je voulais les mettre en vente et puis finalement, je me suis dit, tiens, je vais les utiliser. Ce serait temps que je les utilise. Ils sentent le caramel, je dirais. Voilà, donc je vais mettre mes petites paillettes, les BIM. Donc c'est le 04, c'est le grenat, je crois. Non, améthyste. Pourquoi j'ai dit grenat, je ne sais pas. Alors ils les ont arrêtés, mais il y a encore moyen d'en trouver quelques teintes sur la boutique AliExpress officielle. C'est vraiment dommage. Parce que je les adore, ces petits liners. Alors, ils ont une texture assez bizarre. Je vous l'accorde. Mais les paillettes sont vraiment magnifiques. Il y a plusieurs sortes de paillettes, en fait. Plusieurs couleurs. Alors, il faut plonger plusieurs fois son pinceau. Ne pas hésiter à tapoter. Je vais mettre ici aussi. Et je remettrai sous la queue de mon liner noir. J'aurais fait mon liner noir. Elles sont vraiment magnifiques. Donc voilà, j'achève mes piquines d'œil. Et je viens vous remontrer ce que ça donne. Et on se retrouve juste après. Voilà le look final réalisé avec les produits du calendrier de l'Avent Focalure. Donc je les remercie encore pour l'envoi et je remercie encore Amy pour la pub. Voilà, voilà. Donc, il y a 4 produits donc, que je vous ai dit que je vous mettais de côté. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis
virer, j'enlève sans mettre dedans. J'ai mis donc les fossiles que j'ai coupés en deux et qui sont franchement pas mal. C'est juste le même problème que pour les chines. Hein. De toute façon, ça vient de Chine. C'est qu'il y a beaucoup de colle qui s'accroche à la franche et du coup, on n'arrive pas bien à l'enlever. Là, ça va avec le... Je les ai collés avec la colle Shiglam noire. Du coup, ça a camouflé un peu. Mais ça fait très joli. Ça fait un peu effet œil de bébé. J'ai donc mis mon liner pailleté et j'ai rajouté des petits flocons holographiques à la pointe de ma bascule externe. Et voilà pour le make-up final. Donc, pour revenir sur les produits, alors ceux du calendrier que je viens de tester, le blush, j'aime bien. Après, c'est un blush crème, donc c'est pas trop mon kiff. J'aurais préféré un poudre, clairement. Mais il est très beau et franchement, il a un très bel effet même par-dessus la poudre. Donc ça, c'est bien. Je vais l'inclure dans mon Project Pan pour le terminer, une fois que j'aurai terminé le Shiglam. Puisque moi, je m'en sers en sous-couche de mes blushs poudre, des blushs crème comme ça, et je trouve que ça donne plus d'impact. Voilà. Je m'ajoute une étape à chaque fois à mon make-up, hein, parce que c'est totalement inutile, mais j'aime bien faire ça. L'highlighter, oh, coup de cœur sur l'highlighter, bon, ça, je crois qu'il n'y a pas de surprise, hein, vous vous en doutiez que j'allais l'aimer, hein, rien qu'avoir du vert dedans, vous le saviez, les paillettes en plus, donc voilà, moi du moment que c'est vert et que ça pétouille, mamie, elle est transportée. La base à paupières, j'aime beaucoup, maintenant il faut que je vois, parce que bon, l'estompe n'est pas nickel, j'aurais préféré que ce soit un tout petit peu plus estompé, après ça va, ça chauffe pas, hein. Mais elle accroche très bien les fards et elle ne cruche pas trop, elle est teintée, donc elle unifie bien la paupière, donc pareil, je vais l'inclure dans mon Project Pan pour la terminer, je vais l'utiliser sans aucun souci, j'aime bien, voilà, elle détrompe toujours pas ma révolution, mais je l'aime beaucoup, plus que la pelouse. La palette, j'aime beaucoup. Alors déjà, moi, il me fait kiffer. Il m'en faut peu, hein, on est d'accord. Après, les palettes rondes, comme ça, c'est extrêmement chiant à ranger. Ça, je vous l'accorde. Mais voilà, moi, il m'en faut pas plus pour triper. Hein. J'ai joué avec pendant une demi-heure quand même, quand je l'ai déballée. Hein. Donc, l'avantage, c'est qu'elle se bloque, hein, quand elle est ouverte. Les teintes sont très bien pigmentées, s'appliquent très bien. Donc, il y a juste eu un tout petit problème d'estompe ici, mais entre eux, ils s'estompent super bien. Il y a 4 mats, 4 lumineux plus l'highlighter bon, que moi j'ai utilisé en cours interne, donc c'est tout à fait possible aussi. Maintenant, un highlighter il doit être pas mal non plus. Hein. Je pense que il peut être joli aussi. Hein. Il a l'air aussi supralumineux, vous ne le voyez pas très bien, je pense. Mais oh ouais, il fait un peu des reflets pêche comme ça, pêche orangée. Ouais, je crois que j'ai même pas l'équivalent. Mais voilà. Forcément, comme c'est dans une palette, j'ai moins pensé à l'utiliser, sauf quand je vais utiliser la palette. Les teintes qui sont dedans sont vraiment parfaites pour des make-up de fête. Hein. Ça va très bien avec le thème du calendrier de l'Avent, puisque vous avez vraiment les mats qu'il vous faut pour faire votre transition et les lumineux pour accorder avec la plupart des tenues. Un argenté, un doré, un peu plus rouge. Mais... What? Il est holographique celui-là, enfin duochrome. Oh, j'avais pas vu ça. Wow. Alors la palette, elle me plaît encore plus. Oh, je crois que vous voyez bien le duochromage. Oh, j'avais pas vu que c'était un duochrome. Mais c'est un duochrome violet et doré. Splendide. Franchement splendide. Voilà, vous pouvez rester dans le marronné avec celui-ci qui est un peu plus doré, mais voilà, vous voyez, c'est plus du champagne, donc même en coin interne. Non, franchement, je trouve que pour 9 fards, on va dire, hein, en comptant celui-ci pour le coin interne, par exemple, c'est bien ça, hein, 9, ouais, elle est plutôt complète. Franchement, elle est plutôt complète. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Vous avez ici, alors je ne sais pas si c'est un noir ou un marron très foncé. Non, c'est bien un noir et qui a l'air très, très, très opaque. Très bien pigmenté aussi. Donc là, je le dégrade au max. Hein. Mais ouais, ça a l'air pas... Franchement, c'est prometteur. Et vous pouvez également vous en servir pour faire un trait de liner si vous ne voulez pas utiliser un liner liquide. Franchement, je suis assez bluffée. La première palette que j'avais testée, j'avais beaucoup aimé la qualité. Après, je ne l'ai pas gardée parce que je ne l'utilisais pas, tout simplement. Mais j'avais beaucoup aimé également.
Et pour donc il y avait juste le crayon, donc les fossiles, je vous ai dit, hein, franchement j'aime beaucoup. Je les ai coupés en deux pour me faciliter la tâche, mais j'aime beaucoup. Le crayon, la couleur est très bien, il s'applique très bien, mais non, la forme est pas super pratique, ni super utile, surtout en forme de petit cœur comme ça. C'est juste que la pointe, en fait, il l'aurait fait biseauter, c'était exactement la même chose. Hein. La pointe est pratique pour redessiner bien le contour de lèvres, si jamais vous avez des problèmes comme moi de contour de lèvres pas très symétrique et pas très droit. Franchement, il est pas mal. Maintenant, moi, mes favoris chez Focalure, c'est les liner beam, hein, et les rouges à lèvres en jumbo aussi. J'adore ça en jumbo, surtout le Del Rio. Je crois que vous commencez à le savoir. Donc voilà, j'aime beaucoup leurs produits depuis un long moment maintenant. Ça fait un long moment que j'avais tourné le premier crash test. Et je m'en lasse pas. C'est voilà, les beams, les liners pailletés, j'en ai plus que 3 puisque les autres sont plus commercialisés. Je crois, ouais, j'en ai même plus en backup. Donc voilà. Mais je les aime beaucoup. Ça fait vraiment partie de mes liners pailletés préférés avec les W7. Voilà, comme ça on reste dans du pas cher. Voilà. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo. Dites-moi en commentaire si c'est le genre de calendrier qui pourrait vous intéresser. Donc oui, je sais que c'est tard pour l'acheter ou quoi, parce que le délai de livraison a été extrêmement long. Mais si jamais vous voulez l'offrir. Le commander maintenant pour l'offrir l'année prochaine, par exemple, voilà, vous pouvez aussi totalement le faire. Rien que ce petit truc-là, moi, je kiffe. Mais alors vraiment, je kiffe, quoi. Oui, il me faut pas grand-chose. Et je pense que la petite bague sur ma petite poupée que je suis en train de faire, là, ça va être pas mal non plus pour vraiment mettre en dessous du bonnet, là. Enfin bref, voilà. Donc, franchement, pas de déception. Aucune déception. Ça c'est totalement génial. Maintenant j'ai pas gardé les autres produits parce que ben, l'highlighter stick, alors déjà je suis pas fan et en plus il y avait l'highlighter poudre que je voulais en plus, donc je préfère mettre l'autre pour vous. Le lips c'est un métallique, donc voilà, vous l'avez vu dans, je vous ai montré la teinte dans le unboxing. J'utilise pas trop. Les jumbo comme ça pour les yeux, j'utilise pas du tout. Et les fards crème, enfin. Les fards liquides, j'utilise pas beaucoup non plus. Donc, je préfère pas juste les ouvrir et les tester une fois et rien m'en foutre après. Je préfère vous les mettre directement de côté pour le concours de Noël de l'année prochaine. Et voilà, n'oubliez pas que vous avez le concours de cette année en barre d'infos. N'hésitez pas à aller participer si ce n'est pas encore fait. Donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On continue à se retrouver tous les jours jusqu'au 31. Et moi je n'ai plus qu'à vous dire. Bisous, bisous.